Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici chez Isigny Sainte-Mère pour un nouvel épisode sous le soleil normand que je vous invite à liker, partager, commenter. Et aujourd'hui je vous emmène bosser comme chef d'équipe conditionnement. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Géry, bienvenue à Isigny Sainte-Mère. Bah, merci beaucoup, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Bah, ravi de t'accueillir. Je vous présente Romain, le responsable de l'unité de conditionnement de la poudre de lait avec qui on va bosser aujourd'hui. Eh ben on y va, c'est parti. Bon alors Romain, explique-nous où on se trouve ici et quel est ton job ? Donc là, on est sur une unité de conditionnement de poudre de lait infantile en boîte métallique. Donc c'est une unité qui a été inaugurée en 2015, donc c'est une des plus performantes lignes en Europe actuellement. Et on a donc forcément du matériel de pointe donc qui nous permet d'avoir une cadence d'environ 15 000 boîtes à l'heure. Ok, quelles sont tes activités ? Moi, j'entends dire que tu recrutes beaucoup en ce moment sur ton service. Effectivement, oui, donc l'activité, elle est en forte progression en ce moment. Donc on est en phase de recrutement pour des besoins actuels, des besoins futurs. Quel type de profil ? Donc sur le conditionnement, ça sera essentiellement des postes de chef d'équipe, des postes de contrôleur labo et des conducteurs de ligne. Ok, bah écoute, voilà. Moi, ce job m'intéresse. Bah, écoute, je te propose de rencontrer Alexandre qui est là derrière et qui va te présenter son poste. Eh bah ok, merci. J'arrive. Salut Alexandre. Salut Gary. Bon, bah, je suis ravi de découvrir ton métier. Explique-moi en quoi il consiste au quotidien. Donc mon métier au quotidien est de superviser la ligne de conditionnement. Qu'on voit ici derrière. C'est exact. Je reçois des directives de la part de l'ordonnancement. D'accord. Mon métier est de suivre le planning et de garantir la qualité et de veiller à ce que les règles d'hygiène et de sécurité soient appliquées. Et que le produit soit conforme, c'est ça ? Exactement, c'est okay. Ça. Et vous êtes combien dans l'équipe ? Alors nous sommes 48, okay. Nous fonctionnons avec 6 équipes de 8 personnes. Et toi, pourquoi t'aimes ce job ? J'aime ce boulot parce qu'il n'est pas routinier en fait. D'accord. Tous les jours, j'ai de nouvelles situations à résoudre, aussi bien en management qu'en technique. Et chez Isigny en particulier ? Alors, chez Isigny, ce que j'aime bien en fait, c'est l'ambiance familiale, c'est l'esprit d'équipe qui y règne. D'accord. Mmh. Bon, et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi dans ton équipe, pour être manager ? Pour être avec moi, il faudrait que tu sois organisé, que tu aies de la rigueur et que tu sois à l'écoute. Bon, je suis là. Merci. Ici, tu travailles dans les terres, mais tu es à 5 minutes de la mer, quoi. Manager. On recrute à partir du bac pro, mais toute personne motivée est la bienvenue. Quoi. Moi, je suis rentré ici avec un bac et des années d'expérience. À conduite, bien sûr, mais si tu as la fibre mécanique, c'est un plus. Chantilly. Romain, Alexandre, merci beaucoup pour la découverte de votre atelier. Bah, merci à toi, Géry. Bon, moi, j'ai d'autres collègues à rencontrer ici, chez Isigny. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe. Postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.